Vous êtes venu vous entraîner? Non, pas aujourd'hui. Moi, je cours. Enfin, je courais. Ses yeux, c'est un accident? Un accident de voiture, oui, il y a 6 mois. Vous leur avez dit la vérité? D'où vous sortez? Il faut vraiment que ça marche avec vous. Je me dis que tant qu'il aura envie de courir, il aura envie de vivre. Je pourrais pas supporter cette attache, ce fil pour courir. C'est un travail très particulier, vous l'avez jamais fait. Très rare qu'une femme guide un homme. Ça marchera pas, on n'y arrivera jamais. Non, arrête! J'ai aucune confiance en cette fille. Tu la connais pas vraiment. Tu es mes yeux, Leila. Hop! Je sais rien de toi, tu me parles jamais. Parle-moi! Hop! Tu veux rester? Ah, vas-y, prends ma place! C'est dur, je le sais. Mais on a décidé de le faire, alors on va le faire. Tu fais chier, Yannick, hein? Ton handicap te donne pas tous les droits. Ils sont 10 000 au départ. Et à l'arrivée, il n'y en a qu'un seul qui gagne. Allez ! Il n'y a qu'un seul champion. Je me suis toujours demandé ce qu'il avait de plus que les autres. C'est toujours l'histoire d'un individu, d'une personne. Moi, je crois que tous les grands athlètes ont un point commun. Ils se sont construits dans la lutte contre quelque chose. Contre un sale destin. Vous êtes inconsciente. Vous êtes complètement folle. Reviens vers moi, reste au contact. Arrête de faire la guerre, Leila. En fait, ils gagnent parce que c'est leur vie qui est en jeu. On va courir, Leila. Et on va gagner.